people see me, but they just don't know what's in my heart and why I love you so. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette carte de WrestleMania 34 à New Orleans, la carte des pronostics, la carte un petit peu fantasy, la carte un petit peu du cœur, la carte de l'amour. Comment on va tout de suite voir? Moi c'est Rabbi Mentor, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @RabbiMentor, un compte Twitter tout à fait pertinent et drôle s'il en est. Et vous pouvez me retrouver aussi ailleurs, mais ça par contre il faut être sur Bordeaux pour me voir dans la rue. Parfois vous pouvez me trouver dans la rue, mais après bon, où je serai, quand, ça par contre c'est une autre histoire. Je ne sais pas exactement. Voilà, donc la carte de WrestleMania 34 par Rabbi Mentor, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Nous sommes donc à la Nouvelle-Orléans, c'est WrestleMania 34, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les commentateurs du show sont bien évidemment Mauro Ranallo, Nigel McGuinness et Corey Graves. Michael Cole produit tout le monde. Hein, voilà, on ne le voit plus, et c'est très bien comme ça. Le pré-show, deux petits matchs. Dans le pré-show, hein. Deux petits matchs seulement, hein. Beaucoup de blabla. Hein. Beaucoup de blabla, un panel avec René Young et Shawn Michaels, le reste, peu importe, mais il faut qu'il y ait Michaels. Le pré-show, donc, on ouvre hein, le pré-show avec Enzo Amore contre Hideo Itami hein, pour le titre Cruiserweight, le titre poids moyen. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Enzo Amore, quand même, ok, ça me fait mal de le dire, mais il tient la division Cruiserweight, lui tout seul, à bout de bras. Voilà, hein, quand même, tellement c'est naze, hein, on n'y peut rien. Et Hideo Itami, bon, bah, écoute, quand même, il mérite de la seule manière, quand même, hein, bon, pour son nom, hein, pas pour ce qu'il a fait chez WWE, mais pour son nom. Donc Hideo Itami va affronter Enzo Amore et va battre Enzo Amore, bien évidemment. Avec un go to sleep, histoire que les gens soient contents, et puis chanter CM Punk, comme des gros nazes. Voilà, donc victoire de Hideo Itami, un petit match tranquillou, voilà. En deux, le titre par équipe hein, de SmackDown. Alors, je ne savais pas trop quoi faire des Usos et du New Day, donc ben, ils s'affrontent, mais cette fois-ci, c'est la dernière fois. Hein. Un peu comme hein, ils avaient fait avec Cena et Rock, ou un peu avec Cena et Orton. C'est la dernière fois qu'ils s'affrontent, cette fois-ci, c'est juré. Jusqu'à SummerSlam, ils ne s'affrontent plus. Le New Day et les Usos qui vont nous offrir voilà, un chouette match. Victoire du New Day. Non, victoire des Usos. Non, victoire de... Ah, je ne sais pas. Vous voulez qui? Les Usos? Ok, bon, mais les Usos alors. Ok, victoire des Usos qui conservent et qui vont pouvoir aller affronter les Bludgeon Brothers, très certainement, ou d'autres équipes tout à fait fascinantes, comme toutes celles qu'il y a à SmackDown. Nous passons à la carte principale. La carte principale, c'est ce qu'on attend tous. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est la Nouvelle-Orléans. Il fait beau, il fait chaud, c'est disco. En numéro 1, on ouvre le show avec nul autre que... John Cena, yeah, en opener, c'est pas beau? Si, c'est beau. John Cena qui va affronter Samoa Joe pour le titre intercontinental de la WWE. Et oui, messieurs-dames, puisque Samoa Joe a battu Roman Reigns à Raw il y a quelques semaines. Tout le monde s'en rappelle, bien évidemment. John Cena, donc, qui va perdre contre Samoa Joe. Il va pass out dans la Coquina Clutch pour en gros 10 petites minutes de match. Voilà, Samoa Joe contre John Cena, c'est une affiche un petit peu neuve et ça permet à Samoa Joe d'utiliser l'overness de John Cena qui est quand même très over. Et donc tout ça c'est formidable. Merci à John Cena d'être aussi professionnel. En numéro 2, nous aurons le titre féminin de Raw. Asuka, hein, donc l'impératrice. L'impératrice de demain. Dès demain, qui va donc affronter Paige. Alors si je baisse la tête, c'est que je regarde mon petit papelard, parce que j'ai pas tout appris par cœur, bien évidemment. Oui, Paige, qui sera accompagnée de Absolution, bien évidemment. Elle va affronter Asuka, donc c'est une affiche aussi, neuve. Voilà, Asuka toujours invaincue, bien évidemment. Puisqu'elle aura battu Alexa Bliss au Royal Rumble. Elle sera donc championne féminine, tout est très bien. Et elle va battre Paige. Voilà, après un match sympathique, elle réussira à se démener et à contrecarrer tous les plans de l'horrible Paige et de son clan Absolution. Bravo à elle, bravo à Asuka. Tout ça pour nous emmener à SummerSlam où elle affrontera quelqu'un, mais qui? Ça, je ne sais pas encore. L'avenir nous le dira. Numéro 3, un petit match sympathique. Hein, le titre UK va être défendu à WrestleMania, tout simplement.
avec Tyler Bate, qui va tenter de reprendre son titre. Hein, c'est sa revanche de NXT TakeOver, je ne sais plus quoi, contre Pete Dunne. Pete Dunne affronte Tyler Bate, voilà, on leur donne 15 minutes, tranquillou, et ça nous fait très certainement le match de la soirée, tout simplement. Parce qu'on a envie quand même d'avoir un bon match, sûr et certain. Tyler Bate contre Pete Dunne, en plus ça leur donne l'exposition du monstre qu'est WrestleMania. Donc c'est super, c'est très bien, voilà. Bravo à eux. Victoire de Pete Dunne, hein, qui conserve quand même, parce que c'est celui qu'on a envie de pousser un max. Donc Pete Dunne qui conserve la ceinture. Puis nous avons une promo de Kevin Owens backstage, qui vient nous dire quelque chose. Mais tout d'abord, je vais aller allumer la lumière, parce qu'on n'y voit plus rien du tout. Oui, voilà, ça y est, j'ai allumé la lumière était très mauvaise, attends, je regarde. Oui, là, c'est un petit peu mieux quand même, voilà. Donc, la lumière est allumée, je peux donc parler de la promo de Kevin Owens, qui va donc parler de son adversaire du soir, qui n'est nul autre que le champion des États-Unis. Mais qui est le champion des États-Unis? Le champion des États-Unis, c'est Cassius Ohno, qui est arrivé au Royal Rumble, et qui a battu ce bon vieux Baron Corbin. Pour le titre US, donc Cassius Ohno affronte Kevin Owens, KO contre KO. Hein. Et donc, ça va faire un super match. Hein. On s'en doute quand même que le match va être très intéressant. Cassius Ohno contre Kevin Owens, victoire de Cassius Ohno, qui conserve son titre face à Kevin Owens, mais la feud n'est pas finie, et doit continuer. Là où Samoa Joe, John Cena, c'est fini par contre. Cassius Ohno, Kevin Owens, on peut encore en tirer quelques pay-per-views. Et ça peut être bien sympa, cette affiche, non? Vous en pensez quoi? Si, un pouce bleu. Pouce bleu? Pouce bleu. On arrive à l'attraction de WrestleMania. Hein, ce match de l'échelle. Hein, un ladder match. Ladder match. Ladder match. Ladder match. Ladder match. Pour le titre par équipe de Raw. Les champions par équipe. The Bar. Vont défendre leur titre contre trois équipes. Ils vont affronter le Shield, bien évidemment, composé de Dean Ambrose et Seth Rollins. Ils vont affronter les Walking Nerdies, Brother Nero et Walking Matt Hardy, en espérant que Jeff Hardy soit revenu hein, de sa blessure. Mais on suppose qu'il sera revenu, puis on s'en branle, c'est fantasy, je fais ce que je veux, je vous emmerde. Et le Revival, voilà, le Shield contre The Bar, contre les Walking Nerdies, contre The Revival, dans un match de l'échelle. On leur donne 20-23 minutes, quelque chose comme ça. Des spots partout. En veux-tu, en voilà, eh bien, j'en veux bien, et en voici, en voici. Et donc, une victoire du Revival, et oui. Parce qu'on va les mettre un petit peu over, les pauvres, ils n'ont pas eu de chance. En espérant aussi que ce bon vieux Scott Dawson sera revenu de sa blessure. Hein. Mais bon, en imaginant que tout le monde soit revenu, voilà. Victoire de Dash Wilder de Scott Dawson qui remporte donc le titre, qui part pour être champion bon poil jusqu'au Royal Rumble de l'année suivante. Après, avec la division tag qui a Raw avec ses trois équipes, il y a de quoi faire quand même 2-3 feuds plutôt sympathiques. Je tourne la page, c'est le moment du Hall of Fame, un petit peu pour calmer les ardeurs de tout le monde. On se calme, voilà, on respire un petit peu parce qu'en ladder match, tous les gens sont fatigués après. C'est l'heure de revoir un petit peu qui a été honoré de l'intronisation Hall of Fame, et bien c'est Roman Reigns hein, qui est tout seul. La classe 2018, c'est pour lui le Hall of Fame. Roman Reigns qui rentre déjà dans le Hall of Fame après une carrière exceptionnelle qui continue encore ce soir, hein, puisqu'il aura encore un match. Roman Reigns, champion intercontinental, champion US, champion par équipe, champion du monde. Il a tout fait. Et c'est pas encore fini. Hmm, n'est-ce pas? Donc bravo à lui, félicitations au Hall of Fame class de 2018, Roman Reigns, bravo, bien joué. Numéro 8, alors ça c'est ma petite, hein, c'est ma petite touche personnelle. C'est un fantasy match qui est apparu une seule fois. C'était au Survivor Series 95, et donc moi je le fous à WrestleMania parce que je m'en branle, je suis un peu un dingue. C'est un World Card Match, hein, donc la carte sauvage, le match de la carte sauvage, où donc Face et Heel sont mélangés dans des équipes, et s'affrontent dans un combat à élimination. Sauf que là, le ou les survivants, enfin le survivant en tout cas final,
de ce match deviendra l'aspirant numéro 1 au titre de champion WWE, n'est-ce pas? Donc, un vrai match, il devient donc aspirant numéro 1 au titre de champion WWE, il affrontera le champion WWE à SummerSlam. Voilà. C'est ça qu'il dit. Le vainqueur de ce match affronte le champion WWE à SummerSlam. Ça qui vient. Mais vous me direz, s'il reste par exemple 2 ou 3 survivants dans une équipe, hein, comment on fait? Eh bien, ils s'affrontent direct après dans un match en simple ou en triple threat, ou même si c'est un 5-0, on a manita. Si c'est 5-0, eh bien tout simplement ils s'affrontent dans un Fatal 5-Way. Voilà, hein, tout simplement. Donc, s'affrontent dans ce World Cup Match de WrestleMania, Jinder Mahal, hein, parce qu'il fallait bien le mettre quand même pour faire plaisir à Sturi. Randy Orton, Rusev, Bray Wyatt et Dolph Ziggler, donc dans la même équipe. Je suis désolé, j'ai pas trouvé mieux. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je trouvais que c'était plutôt pas trop. Hein. Donc Jinder Mahal, Randy Orton, Rusev, Bray Wyatt et Dolph Ziggler affrontent Sami Zayn, Finn Balor, The Miz, Bobby Roode et Johnny Gargano qui est arrivé aussi d'NXT au Royal Rumble en entrant surprise au 26, hein, place 26, et il a plutôt fait du bon taf, hein, et depuis il est dans la mid-card de SmackDown où ça se passe plutôt bien, il est assez over, et donc voilà, il est dans ce match là. Donc seront survivants Sami Zayn et Johnny Gargano. Et oui, Johnny et Gargano et Sami Zayn remportent le match. Donc, ils éliminent Jinder Mahal, Randy Orton, Rusev, Bray Wyatt et Dolph Ziggler. Pas non plus hyper compliqué. Hein. Et donc, on a, direct après ce match-là, donc Sami Zayn contre Johnny Gargano. Chouette affiche. C'est neuf aussi, c'est plutôt cool. Ça donne de la jeunesse. Et un des deux ira à SummerSlam pour affronter le champion WWE. Celui qui gagnera quand même, faut pas déconner, c'est Sami Zayn qui remporte le match et qui sera donc l'aspirant numéro 1. Au titre WWE, au deuxième plus gros pay-per-view de l'année, c'est plutôt cool. Moi j'adore Sami Zayn, donc ça me fait plaisir de le pusher. Et puis en plus, ça laisse le temps de le pusher intelligemment, voilà, de avril jusqu'à août, un petit peu comme New Jab fait avec le G1 Climax, ou dès juillet, août, on sait qui affrontera le champion en janvier. Voilà, tout simplement, et ça laisse le temps de bien booker et de faire des choses bien, si on est assez intelligent. On a une petite promo de Sami Zayn à la fin du match, parce que Sami Zayn, on oublie bien souvent, mais c'est une super promo. Juste après donc cette victoire de Sami Zayn, on a Braun Strowman qui affronte Jason Jordan. Voilà, hein, je savais pas quoi faire de Braun Strowman, donc mais voilà. Alors vous savez, Braun Strowman qui affronte le tout frail Jason Jordan. Maintenant ça marche beaucoup mieux pour Jason Jordan, qui a quand même beaucoup de talent, il a tourné heel. La foule peut enfin le huer tranquillement, et donc la foule est bien contente de pouvoir le huer, et il gagnera, hein, contre Braun Strowman, une fluke victory bien évidemment, sur un petit paquet ou quelque chose comme ça. Après c'est dur de faire un petit paquet à Braun Strowman, mais Jason Jordan il est quand même bien tanké aussi, donc pas de souci pour lui, victoire de Jason Jordan contre Braun Strowman, mais la feud n'est pas finie, et doit continuer. Puis, on a une promo de backstage avec Renee Young, on a une promo de Ronda Rousey, c'est super. Ronda Rousey qui hype son match contre Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown. Charlotte Flair accompagnée de Bayley, Sasha Banks et Becky Lynch affronte Ronda Rousey et les 3 autres meufs de l'UFC que je ne sais pas comment elles s'appellent. Voilà, je suis désolé, mais je ne sais pas comment elles s'appellent. Donc voilà, un petit match sympa entre les deux avec une victoire bien évidemment de Ronda Rousey. Quand même, on est obligé de la faire gagner. Elle fait taper Charlotte Flair avec Number et c'est super. La foule est à burn, c'est magnifique. Il y aura de la baston, bien évidemment, à l'extérieur du ring entre les 6 autres meufs. Super match, la foule est à burn, très bien. Tout le monde est très content. Premier des 2 combats pour les titres suprêmes de la WWE. AJ Styles défend son titre contre Shinsuke Nakamura, bien évidemment, pour le titre WWE. Donc AJ Styles champion. Depuis qu'il a battu Jinder Mahal, va affronter Shinsuke Nakamura qui s'est octroyé le droit de l'affronter en remportant le Royal Rumble à la surprise de tous. Shinsuke Nakamura qui va battre AJ Styles dans ce grand match auquel on donnera bien 20 minutes. À la fin du match, Daniel Bryan vient donner la ceinture à Shinsuke Nakamura en lui levant le bras, en lui mettant la ceinture autour de la taille, à l'image un peu de ce que peut faire Dana White à l'UFC.
Puis Daniel Bryan attaque Shinsuke Nakamura. Oh là, c'est pas possible. Eh oui, Daniel Bryan, qui a été clearé par le Dr. I.M., a le droit de catcher. Donc Daniel Bryan affrontera très certainement Shinsuke Nakamura jusqu'à SummerSlam, ou voilà, ou peut-être pas, puisque Sami Zayn, lui aussi, est aspirant numéro 1. Rappelons-nous-en, hein, Daniel Bryan, Nakamura, AJ Styles, Sami Zayn, le main event de SmackDown, on est bien. Puis enfin, le main event, et oui, celui qui est rentré dans le Hall of Fame cette année, Roman Reigns, affronte Brock Lesnar pour le titre universel, le titre universal, vous l'appelez comme vous voulez. Brock Lesnar, l'invincible, affronte Roman Reigns, c'est bien évidemment Roman Reigns qui se dégagera de 7 F5. Oui, 7 F5, là où simplement 6 spears suffiront à Roman Reigns pour battre Brock Lesnar. Et enfin, pouvoir profiter de son push bien mérité. Bravo à Roman Reigns, bravo à lui. Une belle carte de WrestleMania qui s'achève sur les feux d'artifice et un petit peu sur des chants, voilà, du blues, du jazz, hein, puisqu'on est à la Nouvelle-Orléans. Roman Reigns, bravo à lui. Tu es vraiment la star de WWE. Tu es ma star, Roman Reigns. Et je te remercie. C'était mon WrestleMania, c'était génial, c'était super. Bravo à tous. Et puis j'ai envie de dire, c'est ça le catch.